Nous nous trouvons dans le nord-est de l'Espagne, à mi-chemin entre Barcelone et Valence, dans une région montagneuse. Nous sommes venus pour chasser le bouquetin de Bayseite. Il faut savoir qu'en Espagne, on retrouve 4 espèces de bouquetins. Et puis, ce qui est vraiment intéressant par-dessus tout, c'est que, contrairement à chez nous, où les bouquetins, on ne peut que les observer, en Espagne, c'est un animal qui est tout à fait chassable. En Espagne, il y a 4 espèces de bouquetins. Le bouquetin de Bayseite que nous allons chasser. Il y a également le bouquetin de Gredos, le bouquetin de la Sierra Nevada et le bouquetin de Ronda. On commence la journée assez tôt le matin, généralement avant le lever du jour, pour pouvoir être sur les crêtes au moment du lever du jour. Et ensuite, on fait nos approches à pied. On essaie de repérer les animaux, les beaux trophées et de les approcher. Alors là, en l'occurrence, le chasseur est venu chercher une médaille d'or. Médaille d'or de bouquetin, donc ce qui n'est pas une chose aisée, puisqu'il faut les chercher, il faut sélectionner l'animal. En amont, l'organisation a très bien préparé le terrain. Maintenant, on sait comment se passe la chasse. On espère que Saint-Hubert sera avec nous. C'est une chasse qui se mérite puisqu'on chasse sur un territoire ouvert et puis ce sont des animaux de montagne vraiment sauvages, donc pas facile à approcher, et puis trouver le trophée idéal n'est pas non plus une chose aisée.